enceinte et quelles sont les difficultés. Ok, merci madame. Moi, c'est Kamano Jacqueline, sage-femme maîtresse du centre santé de Kabada et agent PF. On était en campagne, nous sommes aujourd'hui au quatrième jour de notre campagne. Vraiment, je suis beaucoup satisfaite de mes patients et de mes clients qui me demandaient souvent quand est-ce qu'il y aura notre campagne. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, franchement. Et j'encourage tout le monde, les femmes, et de se planifier. Parce que la planification, ça aide beaucoup les femmes pour espacer les naissances. Et aujourd'hui, beaucoup se sont planifiés. Et les gens venaient nous déranger même les nuits pendant nos gardes s'il n'y a pas de planification. On les reporte le matin pour dire de venir se planifier le matin. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre planification. Et jusqu'à présent, je suis envahie par la population des jeunes filles, les jeunes étudiantes et les jeunes dames qui veulent aussi se planifier pour espacer les naissances. Vraiment, là où moi, je vais vous dire, comme vous nous avez aidés, aidez-nous aussi à avoir certains intrants qu'on n'a pas eu accès à sous planification, comme le dépôt, les microlithes et l'eau féminine, c'est que voie orale. Actuellement, nous n'avons pas ça au centre et nous voulons que vous venez à notre secours pour nous aider à avoir ça pour nos clients qui ont besoin. Vraiment, je remercie le projet et je remercie tout le monde qui nous a soutenus pendant cette campagne. Nous sommes vraiment de joie avec vous. Merci.